serait total? Bien, on espère que non. En tout cas, moi, je travaille pour l'éviter. Je mets tous les efforts nécessaires pour arriver à une entente le plus rapidement possible. Maintenant, ça appartient au syndicat qui se prépare. Là, on le voit de façon évidente, même depuis le printemps. Là, ils ont enclenché tous les processus qui sont prévus par la loi pour obtenir les mandats de grève d'ici la fin septembre. Donc, écoutez, ça leur appartient. Moi, je ne me laisse pas perturber par ça parce que j'ai encore ce sentiment-là d'urgence qui m'habite, mais qui m'habite au-delà des mandats de grève. Là. C'est vraiment parce qu'on a des enjeux très, très précis auxquels on doit répondre. La pénurie de main-d'œuvre frappe tous les secteurs, mais particulièrement quand on parle des services à la population, santé, éducation, c'est très difficile. Ça touche directement les gens quand ils sont malades dans leur quotidien. En éducation, c'est nos enfants. Donc, pour moi, mes priorités sont très claires. Mmh. Je demeure là-dessus. Mais pourquoi pas donner des augmentations plus substantielles dans ces secteurs-là? On parle de 13,5% sur 5 ans. C'est sûr que si on compare, par exemple, avec ce que les députés se sont votés, 30%, ce que les policiers de la SQ ont obtenu, 21%. Pourquoi, si c'est si essentiel de trouver des profs, de trouver des infirmières, de trouver des greffiers, des greffières dans les palais de justice, pourquoi on leur donne juste 13,5% sur 5 ans? Là, c'est très difficile pour moi de faire des comparaisons, en particulier avec les policiers de la Sûreté du Québec qui sont en train de faire leur vote. Là, puis les syndicats le savent très bien qu'il y a un monde de nuances dans les conventions collectives et que présentement, mes mains sont liées, moi, tant que les votes sont pas sortis pour être capable de bien expliquer les différences. Mais je vais vous donner une nuance essentielle. Bon, premièrement, c'est pas la même période qui est couverte, mais à l'intérieur de ça, moi, ce que j'essaie d'obtenir du monde de la santé puis de l'éducation, entre autres, c'est de la souplesse. Hein. J'ai parlé de la réorganisation du travail. Une infirmière, un enseignant, là, je vais faire des généralités là, parce que c'est beaucoup plus complexe et détaillé que ça, mais en général, perd son ancienneté quand on la change d'une commission scolaire à l'autre, d'un centre de service, pardon, ou d'un établissement à l'autre. Un policier peut se voir imposer des horaires de 12 heures sans que le syndicat s'en mêle. Un policier peut être transféré à travers la province de Québec, donc il y a de la flexibilité, il y a de la souplesse. Je dis pas que ça justifie les sommes. Il faudrait que je sois en mesure de vous expliquer. Je ne peux pas. Mais pourriez-vous en mettre plus sur la table? C'est très difficile. Il y en a sur la table. Mais pourriez-vous en mettre plus? Bien, écoutez, il faut qu'on discute. Moi, j'ai dit que j'étais prêt à avancer probablement des sommes supplémentaires le jour où j'aurai des ouvertures des syndicats pour avoir plus de souplesse. On a plus d'un demi-million de personnes qui travaillent pour les réseaux ou le gouvernement. Évidemment, il y a des négociations qui s'en viennent avec les syndicats. On évalue que l'inflation pour les 5 prochaines années est à peu près à 11,5%, puis on leur offre 11,5%. Mais on veut aussi faire des offres différenciées. Il nous manque d'infirmières de nuit, de fin de semaine. On aimerait aussi encourager les infirmières qui travaillent à temps plein. Il y en a trop qui travaillent à temps partiel. On veut ajouter des aides à la classe dans le réseau de l'éducation. Les syndicats sont en train de prendre des votes pour avoir des mandats de grève à partir de la fin septembre. Donc, la réserve de courage va beaucoup être utilisée pour les négociations. Vous avez pas mal plus d'argent au privé qu'en politique. Maintenant, ce que j'ai dit, c'est qu'un père de famille, un jeune père ou une mère de famille a le droit d'aller gagner le plus d'argent possible pour donner le plus possible à ses enfants. C'est comme ça que je vois la vie, moi. Dans un processus de négociation et ça appartient au syndicat. Pour ma part, moi, je garde les yeux sur l'objectif. Et c'est quoi mon objectif depuis le début? Trouver des façons de mieux organiser le travail sur le terrain, tant dans le réseau de la santé que dans le réseau de l'éducation. L'offre gouvernementale actuelle est à la hauteur de l'inflation pour les 5 prochaines années. Quand on parle de la rémunération globale, qui comprend tous les avantages sociaux, qui sont de l'argent, là, qui valent de l'argent pour les employés, bien, on est 3,9% en moyenne pour des postes comparables au-dessus du secteur privé. Bien, je m'attends à ce qu'ils fassent leur bout de chemin, qu'on doit travailler à trouver des solutions à court terme, concrètes, qui sont applicables sur le terrain au lendemain de la signature de la convention collective. Et il ne faut pas rater notre chance dans cette convention collective-là pour offrir des meilleurs services aux citoyens, mais aussi réorganiser le travail, parce que c'est important qu'ils aient le goût de rester avec nous et qu'ils aient le goût de travailler avec nous pour longtemps. Fait qu'il faut leur donner aussi cet espoir-là.